Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mauvaise nouvelle. Là, je vais surtout m'adresser à l'Ardif. Vous ne verrez pas d'animation de point de chaîne aujourd'hui. Enfin, en tout cas, vous ne les verrez pas, parce que dans l'Ardif, vous ne les déclenchez pas, bien sûr. Triggerfire, le logiciel que j'utilise pour ça, est en PLS total. Suffit que je lance une animation, ça déconne à mort, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai fait des tests et tout, c'est bizarre. Ça, j'ai l'impression que le problème vient d'OBS, donc il va falloir que je vois ça. Alors sinon, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est le week-end. Enfin, peut-être pas pour tout le monde encore, mais soir de week-end, et ça, c'est très cool. Et nous, on va continuer Resident Evil 2, le remake. On avait commencé le scénario normal de Léon Kennedy, et on n'était pas allé très très loin. On avait juste parlé à Marvin, je crois, Marvin Brana. Et on avait posé le premier médaillon qui se débloquait dans le hall principal du commissariat de police. Donc, on avait juste fait le début. Bon, allez, on va couper la musique. On va transitionner. Et nous voici sur l'écran de jeu. Je vais juste faire ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Voilà, bon, si vous regardez l'Ardif, hein, y a personne pour l'instant. Allez, hop. Je vais peut-être faire une annonce sur Insta quand même. Attends, je vais prendre mon temps. On est chillax aujourd'hui, hein, voilà. Mais c'est vrai, il faut que je fasse la mise à jour de mon téléphone. Salut les Gaspard et les Gasparettes, salut Roro, comment tu vas? T'es le premier à arriver, Ilon. En plus, le live vient tout juste de commencer, ça tombe bien. J'espère que tu vas bien, et que le boulot s'est bien passé, si t'as travaillé au... Ah bah, il y a Igor aussi qui arrive, salut Igor, comment tu vas? Ça fait plaisir aussi, ça, c'est bon. Ça va, Imhotep? Bah, c'est cool. Je sais pas si t'as... C'est le week-end pour toi, Roro? Et pour toi aussi, Igor, est-ce que c'est le week-end? Pose la question, parce qu'on est vendredi soir, voilà, donc... Hop. Oh. C'est le week-end. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Je sors du cinéma. Je sors encore du cinéma. T'as été voir Elvis, encore une fois, Igor? Hop, je vais prendre une petite photo. Alors, est-ce qu'on se fait une vidéo pour Insta? J'y retourne demain. Tu vas vraiment la prendre par cœur avant qu'il sorte en DVD, Igor. Hein. Attention, c'est parti. Et bonjour à tous. Bon, on y retourne. Resident Evil 2 Remake sur PS5. À croire que j'aime bien me faire peur. Mais c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, faut pas croire. Je vous attends sur Twitch. Alors, hop, on va mettre un lien. Alors, HTTPS. On va faire un clic ici. J'arrive pas à m'enlacer. Ah ouais, c'est... Ah ouais, à ce point-là, c'est ouf, hein. Après, t'as des films comme ça, tu sais pas pourquoi. Ça peut te le faire sur des bons films et même sur des moins bons films, hein. Moi, par exemple, un film qui est pas exceptionnel, mais que je trouve bien, qui à un moment, je regardais sans me lasser, c'était Malavita. Un Luc Besson, c'est un film de Luc Besson qui est tourné en Normandie. Salut Atomania, comment tu vas? Bienvenue à toi. Ouais, Malavita, il a été tourné en Normandie, pas très très loin, enfin pas extrêmement loin de chez moi, ça a été tourné dans l'Orne, du côté de, je crois que c'était pas loin de, du côté de, tu sais, vous voyez l'Aigle, Verneuil-sur-Avre et tout ça.
Ce film est tellement génial. Malavita ou Elvis Igor, du coup. Hop. Voilà. On attend que la publication se mette correctement. Mais sinon, pour Elvis, ouais, faut que je le voie. De toute façon, j'ai une autre biopic à voir aussi. Elvis, ouais. Faudrait que j'arrive à voir les... De toute façon, les biopics, j'aime bien. Parce que j'ai regardé Bohemian Rhapsody, j'ai bien aimé. Même si y a pas, même si tout n'est pas exact, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, toi, tranquille. Hein, ça va tranquille, on est vendredi, on va continuer Resident Evil 2. Putain, la notif! La notif! Pardon, salut Sam, ça va? Voilà, j'ai fait ma petite story et donc du coup on va pouvoir commencer à jouer. Et ça va et toi? J'étais sur la Switch, sur la télé, du coup j'ai pas vu les notifs. Tu joues à quoi, Sam? T'étais sur Xenoblade? Oh, allez, le temps de chargement, je m'en lasserai pas. Le temps de chargement qui est extrêmement... Non, Sonic Origins, je veux finir le mode mission histoire. Je sais, je devrais être sur Xenoblade, lol. Alors Elvis, c'est mille fois loin devant Bohemian Rhapsody niveau qualité. Ah oui, bah ça... Mais Bohemian Rhapsody, il est pas parfait comme film, hein, voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas... qui sont inexacts dans le film, je crois. On va prendre la petite plante verte. Par contre, attendez, je vais juste fermer le rideau parce que sinon je vais avoir un contre-jour de malade. Donc du coup, je vais fermer le rideau vite fait. Comme le jeu, il est assez sombre, tu vois. Et jouer à un jeu sombre quand il fait plein soleil, bah, c'est pas ouf, quoi. Du coup, on va jouer comme ça. Alors, niveau exactitude sur Elvis, on a 99%. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça va être mieux. Ah, j'y vois mieux. Hop. Allez, c'est parti. Bon, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de danger. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de liqueur... Et bon appétit, bien sûr. C'est quoi? Allez, vas-y, tombe-toi. Voilà. Je crois qu'il est mort, je crois aussi. Bon, en vrai, je veux pas finir le mode histoire aujourd'hui, je suis à peine à la fin de Sonic 2 et je veux fumer Sonic 3 et Knuckles à 100%. En plus, je dois farmer Dokkan, bref, je raconte ma life. Non mais vas-y, ça, on raconte ta life, on veut savoir ta life. je connais l'histoire du Monsieur Parker et je peux te dire que le film se trompe presque pas. Ah ouais. Courage Etienne pour ton live, je reste là, hein. Bah, merci Sam d'être là. Au fait, t'en es où dans le livre? Faut que je le continue, Sam. Faut que je continue. J'ai pas fini l'histoire. Je suis encore au tome 1 avec, avec les trois chasseurs, là. Il y a Zalza. Merde, comment il s'appelle déjà? Zalza. J'ai oublié les deux autres. Super. Je me souviens de Zalza. Et pourquoi pas le lire en live? Hell Hunter et Zalza. Oui, c'est ça, Sam. Merci, merci pour le rappel.
Faut que... Ouais, pourquoi pas le lire en live? En vrai, c'est un concept, hein. Il y en a qui le font, en plus, de lire des livres en live comme ça. Je sais plus qui l'a fait. Bob Lennon l'a fait, je crois, si je dis pas de bêtises. Oh, putain. Alors, on va prendre ça. On va se dépêcher de sortir. Est-ce qu'il y a un truc à prendre ici? Oui. Oh, Furax! Salut à toi, comment tu vas? Et un nouveau follow, salut à toi Mirémi, je sais pas si je le dis bien. Mirémi227, bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Au plaisir d'accueillir de nouveaux viewers, comme d'habitude, hein, bien sûr. Et j'espère que tu vas bien. Ok, ouais, d'accord. Putain de merde. Comme un vendredi. Ah bah oui. Le vendredi, c'est toujours bien de toute façon. Hein. Bon, attends, parce que là, on a des visiteurs qui se ramènent, là. Saloperie. Au couteau! Au couteau! C'est bon, il est mort. Bon, alors, 102, 103, on peut pas. 106, c'est quoi? C'est une pellicule. 106, 109, on peut. Donc on va déverrouiller le 106 et le 109. Voilà. Et le 109. Voilà. Donc là, ouais, je crois que c'est une pellicule commémorale. Et là, tout ce qui est 200, on peut pas le déverrouiller tout de suite. Donc, on peut se casser. Alors, j'ai mon compteur de follow qui déconne. Faire un peu ce qu'il veut, le compteur de follow, hein, je vous avoue. Alors, maintenant qu'on commence à connaître le jeu par cœur, il y a un coffre-fort tout là-bas. Ça se trouve, je me souviens du truc. Oui, j'ai jamais fini ce jeu, mais j'adore les RE. Ah! Eh ben écoute, bienvenue à toi. Kiffe bien le live, j'ai envie de dire. Et puis, bah, Furax? What the fuck? Mais Twitch, il me fait n'importe quoi là. Alors Furax, je sais pas si tu as fait quelque chose, mais ça me dit que tu viens de follow la chaîne. Mais le bot n'a pas réagi. C'est juste Twitch qui a. Je sais pas ce qui se passe. Ok, bon bah, écoute, Furax, merci pour ton follow. Allez, de la poudre noire. Là, on va... Normalement, c'est 9, 15, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. PGM, les gars, PGM, voilà, voilà. À force de faire le jeu, tu commences à le connaître, hein, voilà, forcément. Hein. Ok, bon. Fausse manip, ah d'accord, ok. Bon, bah, remercie pour ton follow, Furax. Voilà, et du coup, Mirémi, comment as-tu découvert la chaîne? Est-ce que tu cherchais des streamers qui faisaient du RE? Est-ce que t'es tombé sur moi par hasard? Recommandation Twitch, je ne sais pas. Voilà, je pose toujours les questions aux nouveaux viewers qui arrivent. Et du coup, on est à 157 follow sur la chaîne. Ok, donc... là, on va... Donc, c'est un D... D...
D-E-N. Ou N-E-D, c'est, non, c'est N-E-D. Voilà. Et l'autre. Ah ! Putain de con, va. Voilà, ta gueule, merci. Donc G R M MRG. Qui est le nom d'une radio d'ailleurs, MRG. Non, c'est pas énergie, je ne dis pas énergie. MRG, je dis bien MRG. Voilà, hop. Hop. Ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer par ici ? Alors, je crois que c'est le zombie qui vient de là, qui s'est réveillé. En checkant des FR et pas trop avancé. D'accord, ok. Bordel. Bon, de toute façon, là, on peut pas ouvrir la porte, on n'a pas la clé, donc il va falloir qu'on retourne par là. Par là, donc lui, on va le snob pour l'instant. Et si vraiment il nous embête, on ira le tuer. Alors ici, normalement, il y a une... Ouais, on a des planches. Lumière. Ah, poursuivre du début, d'accord. Alors, Rémi, alors je peux t'appeler Rémi. C'est, en fait, on a... Là, on est au début du scénario classique de Léon. À savoir qu'on a déjà fait le scénario classique de Claire et le scénario bis de Léon Kennedy. Voilà, donc du coup, après, très efficace cette pénombre. Ouais. On va prendre ça. Voilà. Comme ça. Alors, pour l'instant, les poudres, on va les déposer. Ouais, photo commémorative. Ok. Au couteau. Oh merde, il y en a deux. Merde. Alors, donc évidemment, là, c'est fermé. Là, il y a un cadavre. Voilà. Des munitions de fusil à pompe. Là, on a un premier coffre qu'on va déverrouiller.
Cut. T'as dit quoi, Mirémy? J'ai pas compris. Une pièce de rechange. Partie normale de Léon. Oui, Baron. Et salut, comment tu vas? C'est bien la partie normale de Léon. Coucou du taf, ça se passe bien? Je me rappelle plus du code. Ouais. C'était quoi ça? Je préférerais être ailleurs, ouais. Je comprends. Ah, ça me gratte. Normalement, dans une heure à peu près, les résultats du BTS tombent. Ah! Le fameux. Ah, on croise les doigts pour que tu l'aies, hein, mais bon, vu comment t'as bien bossé, y a pas de raison que tu l'aies pas. Hein. Allez-y, retourne, tchuss. Bon courage, Baron. Merci de ton petit passage. Bon courage à toi et force et honneur, comme on dit chez nous. Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Ok, ça l'a tué. Ça, je prends. Couteau, je prends aussi. La poudre noire, on va la laisser pour l'instant. On va prendre les plans qui sont là. On va... on a encore de la place? Oui. On va prendre le carnet. Alors, c'est quoi comme statut? C'est la licorne? Ouais. Alors, la licorne, poisson, crustacé et jarre. C'est là où j'ai perdu mon couteau. Ah! Oui, je l'ai retrouvé. poisson, crustacé, jarre. Poisson... crustacé, jarre. Voilà. Maintenant, on retourne dans le hall. Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie.
Oh, tu la connais? Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris. Merci, lieutenant. Ah, coucou, chérie. Ah. Comment ça va? Punaise. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, je me rappelle plus du... J'ai pas mis la pièce de licorne. Ah. J'ai bien fait de prendre mon poisson 4G pour le train. Ah bah oui, ah bah ça aide. Une meuf qui gueule car elle vient de se faire plaquer dans le train. Oh, oh la vache, ça devait être du spectacle ça encore. Alors déjà, on prend ça. On va directement aller chercher le fusil à pompe. Le gros gars là qui l'a plaqué au téléphone en mode « Je veux plus que tu viennes à la maison, je te quitte. » Ah ouais, d'accord. Ok, qu'est-ce qui est le plus avantageux de récupérer ici? Alors déjà... Voilà. Au pire. Voilà. Cent deux, cent trois. On va être le deux, hein. Youhou, encore du RE. Et coucou Kins, comment tu vas? Ouais, encore du RE. On en a encore pour un moment à faire du RE, hein. T'en fais pas. Niveau RE, tu vas être servi. Voilà, et on récupère le fusil à pompe qu'on va directement charger. Allez, allez, un petit test du fusil à pompe. Allez, pour le plaisir. Ah là, comment ça se passe ici? Coucou Marvin. On va maintenant s'occuper de ça.
C'est les feux de l'amour. Salut BG, ça va ? Salut Alex ! Comment tu vas ? Ça va bien toi ? J'ai posé deux fois la question. Ça va bien ? Fait plaisir de te voir, dis donc. Comment tu vas ? Hey ! Léon ! Ça couille à ta waifu. Claire ! Bouge pas, j'arrive tout de suite ! Claire. Ah, il y a du monde ce soir, oui. Je suis content de te voir. Comment tu vas ? Cet hélicoptère est sorti de nulle part. J'ai rien de cassé. Évidemment, aucune de ces poches contient la clé. Je me trompe ? Malheureusement, non. Mm-hmm. Ah, la vilaine a décidé de stream en même temps que toi. Elle va streamer pour un moment, t'inquiète pas, Kins. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère ? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais. C'est l'heure du dîner. Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Claire, va-t'en de là. Allez ! Hé ! On va s'en sortir, tous les deux. Oh là là, ce Léon ! Etienne Wolf sait nous divertir. Eh bah, si je vous divertis, c'est. Si j'arrive à divertir, c'est parce que vous êtes là. Ça chauffe, Paris. C'est. Ça grouille de zombies. Marvin, vous me recevez ? Marvin ? Merde ! Ok, Ah. Ça court à vieux lit en direct du train, quelles sont les nouvelles de la plaquée? Il est en train de... Vraiment ? Voilà. Couteau ! Couteau ! Couteau ! Le fusible. Oh, raté ! Oh ! C'est quoi, là, qu'on a, là ? Bobo, le couteau, la meilleure amie. Bien sûr. Ok, donc faudra qu'on revienne. Ah, hop, 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 hop. Tu sais quoi, je vais te snober, hop. Allez, bye bye. Fais un petit câlin.
On a combien de saves là? On en a que deux. Hop, on va déposer ça. Ouais, c'est vrai que pour l'instant. Je dois retourner au taf tout à l'heure si tu stream, ça marche Alex, bon courage. Là, toi. Elle a peut-être perdu la course à courir. Vas-y, tombe toi. Voilà. Poudre noire. Cartouche de peupon. Ah, putain d'enfoiré. C'est quoi ça? Etienne, je veux savoir le fin du feuilleton du train. Putain d'enfoiré de machin. Je savais que j'aurais pas dû foncer tête baissée. J'ai oublié de vous remettre ma tête. Je vous la remets tout de suite. Voilà. Ok. Ah ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Une pile. J'ai peur de la tête d'Etienne. Ah ! ouais, mais non, pour l'instant, j'en veux pas. Ok, bon, pour l'instant, on va pouvoir retourner au salon déjà. C'est qu'il est. Évidemment, il est parti là-bas. Évidemment, faut que tu te mettes sur ma route, connard. Oh merde, putain! Dépêche-toi, Léon, dépêche-toi. Sinon, pour aller à la buanderie, il me faut la clé verte. What the fuck? Bon. De toute façon, je crois. Eh, il faut. Ah, attends.
Ah bah non, il est pas là. Appelle passe-partout. Merde, je croyais que le machin était... Par là plutôt. Ça, on va retourner là-bas. D'abord... Oh, la musique, là. Recule. Va chier. Ok, Léon, calme-toi, Si on s'assoit, on en discute, Léon, hein. Le détonateur, il est là. Alors, locker room CAP, oui. Locker room. Ah, le locker room, c'est ça, voilà. Hop. Je trouve que ça manque l'ouverture des portes comme sur PS1. Ouais, j'avoue, ils ont pas refait un délire comme ça. Lightning Hawk. Ah oui, le Lightning Hawk, il est dans l'armurerie du bureau des Stars. Sauf que là, faut qu'on aille plus haut. On monte. Là, ça va être le petit moment de stress.
Alors, la statue de la dame. Dame, arc, serpent. Dame, arc. Oui. Ah, mais non, mais prends-le. Oh merde. Oh merde, putain de... Mais bordel de merde! Dépêche, 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 dépêche. Allez, 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 go, 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 gadget, oh, gadget. Vite! La vache! Sans la tronçonneuse. Ah ouais, non mais là... Oh, c'était chaud. J'ai pris le médaillon, moi. Oui, c'est bon. Putain, un poil de cul, hein. Attention, la meilleure arme pour le... Le liqueur, c'est le lightning, aucun. Ok. Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Brana! Marvin! On fiche le camp. Hé, hey, Marvin. Ah, on doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez-moi... C'est trop tard. Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Un coup dans la porte. Comptez sur moi, Marvin. J'aurais dû prendre la poudre blanche. Marvin, il est mort. Bon, Etienne, la grogue, c'est mal. La poudre blanche. Bien vu, Roro, bien vu.
Je reviens, Léon Etienne. Ça marche. Ah, coucou. Oh merde. Le v'là un œil. Oh, pas de choix. Il faut que je la batte. Reuro. Regarde mes yeux. Ouais, alors sauf que là... Oh. Évidemment c'est un cul-de-sac. Ah merde. Le mec qui supplie à Léon qui s'en aille tellement le mec il contrôle, il se contrôle plus en fait. Oh, fait mal ça. Alors ça, c'est pas gentil de me coincer comme ça. Putain. Prends un Doliprane. Voilà. Tout prêt. Qui va être le chat? Yeah.
Et il fait quoi? Et voilà. Plouf. Quelqu'un m'observe. Ah et bah là il a fait plouf hein. Alors ça, on va le déposer, on les combinera plus tard. Ça aussi. Et yes, on a agrandi l'inventaire. On va l'agrandir en moins de 2, hein. Bon, on va prendre du soin. On sait jamais. On va faire une petite save. À boire! Et j'ai de l'eau! J'étais même pas sûr de moi. Et salut, colonel! Alors, colonel, tu n'as plus les animations de points de chaîne. Enfin, personne n'a plus les animations de points de chaîne. Elle déconne à mort. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, il n'y a pas d'animation de points de chaîne. Je suis désolé. Faut que je trouve le problème. Bah, à première vue, le problème vient d'OBS. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai rafraîchi le cache, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ah d'accord, je comprends. Bah pourtant, colonel Baron, il utilise pas le même système que moi pour ses points de chaîne. Merde. Il me faut la carte. Oh, c'est pas vrai. Tu vas me lâcher ! Qui êtes-vous? Attention!
Bessa. FBI. Désolé. SPA va encore gueuler. Alors là, Ada n'a toujours pas son impair. Je me demande comment t'as survécu. FBI, hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Désolé, cette information est confidentielle. Vous allez où ? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Hey ! Mais qu'est-ce que je dois faire ? Voilà, c'est grosso modo comme le scénario bis. Hein. Je ferais bien Dada et Kada. Attends, on va enlever le... parce qu'il y a une autre cinématique qui va arriver. Y a quelqu'un ? Hey. Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Salut, l'humain. Depuis quand vous êtes là ? Ah, trop longtemps. On est les derniers survivants ? Non. Non, il y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons ? Le chef de la police ? Il est encore ici ? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi ? Comment ça ? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ses magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Hé ! Je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking. Crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Hé, merde, il arrive. Quoi ? Qu'est-ce qui arrive ? Allez, allez, fais pas le con. T'as besoin de ça. Fais-moi sortir de ce putain de trou ! Qui est là ? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Belle. C'était qui ? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai ? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça. Je connais même pas votre nom. Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Marché conclu, alors. Nada ! On va développer une fanbase pour Ada. Alors, on a dit... Attends. Salle du générateur et tour de l'horloge.
Ça, le générateur, il faut qu'on se tape tout le tour du chenil comme ça. On aille à la morgue aussi. Stand de tir, on ira après. On va prendre les devants, hein. Voilà. Bordel de merde. C'est n'importe quoi. Voilà, comme ça. Ce sera déjà ça de moins. Tiens, d'ailleurs, il y a une poudre blanche, là, on va la prendre. Je vais te balancer à Brigitte Bardot. Mais non ! Oh, je ferai aucun mal à un animal, moi. Ils sont trop adorables, les animaux. Ok, on va d'abord aller à la morgue. On va directement rendre. Il est incroyable. Mais il est incroyable. Non, il m'a fait gâcher plein de balles, lui. Allez, hop. Il a pas eu le temps de dire au flux. Tu veux un couteau électrique pour la viande? C'est gentil, Roro.
Et voilà. Ah ! Connard ! Ah bah tiens, évidemment. Hop. Ouais, c'est bon pour l'instant. Il était là, lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah écoute. Sauvegarde ou pas? Ça avait... Mais en voilà, ça avait bugué chez moi. Ah. Saloperie. Oh putain. Non, mais non, mais non, mais non. Ah.
Ah, merde! Voilà, c'est comme ça qu'on fait le ménage. Ah oui, maintenant, faut qu'on arrive à... Alors, attends, c'est où qu'il faut aller? C'est dans la buanderie qu'il faut aller, je crois. Je crois que c'est la buanderie. Non, c'est pas la buanderie. Peut-être la salle des archives. Je crois que c'est la salle des archives, mais je ne suis pas sûr. Et je me suis trompé, c'est par là qu'il faut aller. Et Marvin est mort. Marvin! Voilà, au revoir. J'accomplirai ma mission, lieutenant. Coûte que coûte. On a dit... La salle des archives. Et encore, je suis pas sûr de mon coup. Ah, tu as tué Marvin ! Alors là, faut faire attention parce que... Ah putain, je m'en doutais. Ah, je m'en doutais. Celle-là, je m'en doutais. Horreur qu'on m'attaque par derrière. Il peut y avoir qu'avec un petit péteux... assez chaud à tuer, hein. Alors non, ce n'est pas la salle des archives. Donc c'est bien la buanderie. J'aurais peut-être mieux fait... Non, c'est pas grave. Ça va prendre un peu de temps.
Ah, ok. Bon, c'était pas la buanderie, mais bon. Fuck. Je vais pas y arriver, hein. Ça y est. Ouh, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. C'est quoi? Il y a quoi comme salle? Les archives? Bah non, pas la salle des archives, on peut pas y aller. Ou alors faut passer par là. Pense alors qu'Etienne, mon illustrateur, enchaîne les streams en son. Bah, pas de soucis, ça me t'inquiète pas. Je suis sûr que c'est dans la salle des archives. Hein. Putasserie. Je t'ai envoyé une petite musique synthwave si tu veux pour ton outro aujourd'hui. Ah, ok. Merci Sam. Tu irais voir ça. Non, 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 c'est pas ça. Bon là, on va aller à la salle des casiers. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à ouvrir ?
Le 102 et le 103. C'est sûrement pas ici. Ah, attends, faut qu'on aille par là, parce qu'on n'a pas été voir par là non plus. Ok. D'abord descendre. Putain de merde. Toi, tu passeras pas. Ah merde, j'ai aucune des deux. Ça sert à rien qu'on ait dans la salle des archives en fait. Voilà, les selles vont se péter. Ça, on le sait. Voilà. Ugh.
Tu meurs ou tu meurs en fait? Ah, c'est vrai, la clé trèfle, elle est là. Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on peut enlever Ok, on va avancer encore un petit peu puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ah bonjour. La tour. Non, faut qu'on descende. En verte. Faut qu'on descende, parce que maintenant on a la clé verte. Récupère ça, on combine avec ça et on obtient le badge. Voilà. Je vais pas tomber nez à nez avec lui. Et là maintenant, on peut aller à la salle des archives. Ça va être la merde pour y aller. Littéralement. Huh.
Merde. Évidemment, fallait qu'il vienne me faire chier. Il arrive. Non, bâtard, va te faire foutre. Surtout qu'on a... Mais Léon, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est bon. Il est très près, il est très près. Et vous savez ce qu'on n'avait pas pris ? On n'a pas pris l'engrenage. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut retourner à la salle de stockage là-bas. Putain, dégage ! On a assez de place pour l'engrenage ? Ouais. Allez, prends l'engrenage et on se casse. Que là. Oula, oula, il se passe quoi là? Et bah là, il se ramène forcément. Fais des soins passés, connard! Il va pas me laisser passer cet enculé, hein! Ok. Dégage de là. Prends la plante. Voilà. Là, normalement, il pourra pas venir. Il est toujours un peu, il est toujours un peu speed, ce passage, de toute façon.
J'espère ne pas avoir à écrire un rapport là-dessus. Non. Voilà. Putain, faut qu'on aille au bureau des Stars aussi. On récupère le Lightning Hawk. Ah, ah, dégage. Parce que ça va être la merde pour y retourner. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Plan bleu. Voilà, et là, on va tout en bas. Non, on est obligé de repasser par là. C'est quel escalier déjà? Ah oui. Pour tourner à gauche. Oh mais c'est pas possible, putain, mais... J'aime bien sa démarche en mode je vais niquer des darons. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Merci, colonel. Bon. La jouer safe, hein. Profiter, on va prendre ça.
c'était pas la bonne porte. C'est bon. Putain, les chiens, ils sont chiants. Merde! T'as pas réussi à régler le problème des points de chaîne ? Non, Sam, j'ai pas réussi. Mais je pense que le problème vient d'OBS, à mon avis. C'est bizarre, parce que j'ai testé sur mon navigateur, ça fonctionne. Peut-être que tu viens à la source très... j'ai déjà fait ça, Sam. Ça marche pas. Et je ne sais point pourquoi. Voilà. Là, il y a un spray de premier secours. Ça, en fait, on l'a déjà vu. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il cherche ? Là, on traîne pas. On fonce dans le tas. Est-ce que Mister X est là ? Mais non, mais putain! Mais laissez-moi partir! Mais c'est quoi ce foutage de gueule? Mais bon! Putain, je sais pas par quel miracle j'ai réussi à m'en sortir. Je peux se tromper de transition.
commence à bien faire. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça, on compte les points? Écoute, ce n'est pas un jeu. Oh, c'est une blague. Rien ne meurt ici, tu comprends? J'imagine que tu as la carte. Ouais. Et ça? J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fiche encore d'ici. Je suis très mal en point là. Et si on ouvrait la grille? Tu as ce que tu voulais? Malheureusement, non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Et toi? Tu essaies de sauver le monde? J'ai promis au lieutenant Brana de ramener de l'aide. Bonne chance pour en trouver. Plus de route. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. Moi, je voudrais du soin. Oh, je l'ai pas récupéré, ça. Je ne l'avais pas récupéré la dernière fois. Signé Jill. Lire un message laissé par Jill. Kendo, j'imagine que tu as raison de rester ici, je te fais confiance. Jill Valentine. Soin, s'il vous plaît. Non, il y en a pas. Bouge pas. Je veux pas vous faire de mal. J'ai dit, bouge pas. Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore? Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Arrêtez! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer? C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada. Laisse-les tranquilles. Emma? Ma puce, je t'ai dit de rester au lit. Papa? Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord. Oh non, absolu, hein. On sait ce qui se passe.
connais Umbrella, n'est-ce pas? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Donc, bon bah on va s'arrêter à la prochaine sauvegarde. Voilà pourquoi je cherche Anna Birkin. On sait que c'est elle, Umbrella, qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Passons par là pour retrouver Annette. Si ce que tu as dit, Eva. Ouais. Le lieu est approprié. Tu l'as dit. Après toi. Waouh. Merci. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique, les affaires. Umbrella contrôlera Queen City depuis des années. Ok, déjà on va se soigner. Tiens. Voilà. La meilleure mine là. Alors ça pour l'instant on va le déposer. Dès qu'on pourra retourner au commissariat. On pourra déverrouiller ce flingue. Et donc voilà. Allez, sauvegarde et on s'arrête là. Ok, bon allez. Déjà transition. On va aller écouter ce que la... On va écouter ce que Sam nous a envoyé, tiens, allez. Sam... Alors, qu'est-ce que tu nous envoies, Sam ? J'espère que c'est Twitch friendly. Bon, trop tard. La machine est lancée. Voilà. Bon, écoutez les viewers, merci beaucoup d'avoir regardé ce live et cette rediffusion. Je ne sais pas si je ferai live demain, je pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura de live demain, donc et dimanche c'est mon anniversaire, je ne sais pas s'il y aura un stream pour mon anniversaire, je ne sais pas du tout, donc faudra voir ça. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, et je vous dis à la prochaine, bonne soirée, bon appétit, bon apéro, et tout le tralala. Allez, tchuss! Et bougez pas, je vais vous envoyer chez Eclectic.